Nous attendons le maire de Provins. C'est assez fort, là. Non ? On est en train de vivre un moment magique. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux depuis ce matin de voir le début de mobilisation que nous avons, puisqu'on avait quand même plus d'une trentaine d'élus ce matin. Olivier Lavinquel, maire de Provins, va nous rejoindre. Je suis très fier d'accueillir aussi Jean-François Copé, le maire de Mouffe, à Blandy-les-Tours. Donc ce château chargé d'histoire, à la fois de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire, mais à d'autres moments, je pourrais vous en parler, mais ça fait partie vraiment du patrimoine que le département a hérité, volontairement, hein, puisqu'on l'avons acheté en dizaines d'années. Mais je suis très heureux d'en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Je tenais à remercier l'ensemble des acteurs pour ça. Maintenant, pour notre Tour de France. Ce matin, qui était un moment quand même fort, puisque c'était le lancement, devant Christian Prudhomme et Marion Roux, qui sont quand même nos partenaires plus que privilégiés. Voilà Olivier qui nous rejoint, la ville d'arrivée. Et j'étais heureux de voir ce matin à la fois des élus mobilisés, mais aussi le monde agricole, puisque les agriculteurs étaient aussi présents. Nous avions aussi Vaux le Vicomte, qui a été représenté par M. De Vogué, le Vicomte, qui était lui-même aussi présent. Et c'est là que je me suis dit, le choix que nous avons fait avec Christian, avec Marion, de faire cette étape en Seine-et-Marne, était vraiment, vraiment un atout pour cette année 2022, pour notre département. Vous dire aussi que c'est une étape qui reste dans le département. Ce n'est pas le cas pour toutes. Là, nous avons une ville de départ, une ville d'arrivée en Seine-et-Marne. Nous avons voulu aussi faire de cette étape à la fois, bien entendu, un événement sportif et de très haut niveau. C'est pas parce que le Tour de France, entre guillemets, s'est arrêté pendant 12 ans qu'il faut oublier les belles histoires qui ont été écrites, notamment par Jeanne Gongo et d'autres. Et vous dire aussi que cette année 2022, je l'ai rappelé tout à l'heure devant les maires, est aussi une année qui va être une année de la femme. Et gros clin d'œil. Départ du Tour de France féminin, une année de la femme, avec en plus en Seine-et-Marne une volonté très forte de marquer le bicentenaire de Rosa Bonheur, là aussi, patrimoine du département, participe à son entretien, mais aussi à sa vie. Rosa Bonheur, qui est une femme quand même qui a marqué notre histoire, pour tout vous dire, au départ, moi je n'avais simplement qu'une image de Rosa Bonheur, cette artiste peintre, hein, une malienne, beaucoup plus connue d'ailleurs aux États-Unis qu'elle avait été à l'époque en France, mais qui est aussi une femme qui a été la première artiste qui en a remis la Légion d'honneur, qui a été la première femme qui, par son travail, a pu acheter le domaine que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vraiment, un symbole de ces femmes qui se battent, qui ont envie d'arriver et qui arrivent. Et puis, troisième chose aussi, c'est que quand on parle d'attractivité, quand on parle de... On a la chance avec ASO, on a la chance avec Marion et Christian d'avoir la possibilité, pendant ce Tour de France féminin, d'avoir un focus sur la Seine-et-Marne et sur toutes les richesses que nous allons avoir, puisqu'on va traverser, bien sûr, les villages les plus charmants, mais tous les villages de Seine-et-Marne sont charmants. Et puis aussi passer devant Vaux le Vicomte, Blandy-les-Tours. Mais surtout, on sera parti de Meaux, avec toute son histoire, et avec, et plus particulièrement, le musée de la Grande Guerre. Je laisserai le soin à Jean-François Copé, maire de Meaux, de dire comment il voit les choses pour cette ville de départ. Et puis nous allons arriver à Provins, chez Olivier, où là aussi, je laisserai le soin au maire de Provins de vous décliner un peu ce qu'ils veulent organiser. Mais ça doit être à la fois, encore une fois, les fêtes du sport, fêtes des femmes et fêtes de la jeunesse aussi. Et une initiative d'ailleurs a été prise à Provins, que je vais décliner sur l'ensemble des collèges seine-et-marnais, car quand on a la chance, pareil, d'accueillir
table du Tour de France, il faut capitaliser dessus. Et il faut capitaliser du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Et c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Et encore une fois, c'était le début de mes propos et ce sera ma fin. J'ai été agréablement surpris de voir la mobilisation de ces maires que nous allons accompagner. Parce que ce que je voudrais, c'est que dans chaque commune, ça soit la fête. Même si le Tour de France ne fait que passer, il faut que ça soit la fête. Et c'est là aussi, le département aidera toutes les initiatives qui ont été prises. Et puis, le symbole ce matin, c'est quand nos amis agriculteurs, et Dieu sait pourtant que j'avais connu une période, quand je suis arrivé le 1er juillet au département, d'arbitrage à faire entre le Tour de l'Avenir qui traversait le département. Et là, j'ai trouvé ce matin des agriculteurs qui m'ont dit « Mais nous, on veut participer aussi. » Bien sûr qu'on espère qu'on pourra continuer à travailler comme il faut. En plus, c'est une période pour eux qui est très, très dense, hein, pour nos amis agriculteurs. Mais ils nous ont demandé s'ils allaient pouvoir aussi participer en termes d'animation. Eh bien là, quelque part, Marion, Christian, je crois qu'on a gagné. Je crois qu'on a gagné le pari. C'est qu'aujourd'hui, en Seine-et-Marne, tout le monde est mobilisé. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Maire. Merci, Monsieur les Maires. Moi aussi, j'ai été impressionné. Nous avons, nous aussi, été impressionnés ce matin par cette très belle initiative de faire venir, en effet, les élus de toutes les communes concernées. Alors, évidemment, mot, le musée de la Grande Guerre, quand on est né un 11 novembre, on ne peut pas être insensible à la Grande Guerre, c'est une évidence. Et jusqu'à Provins, patrimoine mondial de l'humanité. Mais mot aussi, la ville d'adoption de Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour de France en 1980, le véritable éternel second, puisque c'est bien Joop Zoetemelk et non Raymond Poulidor qui détient le record des deuxièmes places sur le Tour. Il a fini 6 fois deuxième avant d'être champion du monde à 40 ans en 1985. Jusqu'à Provins, où est né l'un de ceux avec qui tu as peut-être commenté, Marion, je ne sais pas, mais David Moncoutier, qui est du Lot, mais qui est bien né à Provins. C'est-à-dire que relier ces deux villes de Seine-et-Marne, c'est l'histoire de la France, mais c'est aussi, d'une certaine manière, l'histoire du cyclisme. Je suis très impressionné par la mobilisation, très impressionné par ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez d'ores et déjà prévu. Le Tour de France, dans sa version féminine, comme le Tour, c'est d'abord évidemment une très grande compétition cycliste. Je l'ai redit tout à l'heure, le Tour de France femme sera, dès sa première édition, la plus grande compétition cycliste féminine, comme l'est le Tour de France dans la version masculine. Mais c'est aussi, évidemment, la mise en valeur de notre patrimoine, de nos paysages et des gens qui façonnent ces paysages. Vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, cher Jean-François, oui, les agriculteurs sont là, ils ont envie de faire les fresques qu'ils font sur le Tour, ils vont les faire, évidemment, une semaine supplémentaire dans ce département de Seine-et-Marne qui a tant de choses à montrer. 2h30 de retransmission par jour sur France 3, avec France Télévisions. Mais ces images-là, elles vont partir dans le monde entier aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, le cyclisme en général, les compétitions sur route, le Tour de France Femmes, l'occasion de montrer le meilleur de soi-même, le meilleur de vous-même, dans tous les domaines, et de fédérer ce qui est essentiel. D'où l'importance encore d'avoir su rassembler ce matin les élus de toutes les communes traversées, ville départ, ville arrivée, tous les gens, et des gens qui étaient fiers, c'est ce qui m'a frappé, des gens qui sont fiers et qui sont heureux. C'est aussi l'occasion... sur tout un territoire, c'est-à-dire que la force des compétitions cyclistes, c'est pas simplement de montrer un stade, c'est de montrer les diversités de nos paysages, c'est de montrer l'ensemble du territoire, c'est de parler à tous les gens, découvrir, redécouvrir, par les vues aériennes d'en haut, qui sont les vues dominantes, évidemment, les vues d'hélicoptères, des retransmissions télé, être fier de là où on habite, de là où on vit, et de se dire qu'on peut montrer ça aux autres. C'est une occasion formidable. Tout ce qui est imaginé avec les collégiens, avec les gamins des écoles, me plaît énormément, évidemment. Faire en sorte qu'ils découvrent ou redécouvrent mieux leur propre histoire, leur patrimoine, des lieux où ils vivent à travers une compétition cycliste qui va chez les gens. La force du vélo sur route, c'est ça, on va chez les gens. Force du vélo sur route, avec une qualité d'enrobé que seul l'un des départements, membre de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, peut naturellement nous offrir. Très heureux d'être ici. Merci pour votre accueil. Merci pour votre volonté de développer le cyclisme. Le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions est pour nous aussi quelque chose d'essentiel. Et puis oui, l'alignement des planètes sur 2022 avec
en Seine-et-Marne, du premier au dernier kilomètre, 135 kilomètres en totalité dans le département, pour montrer la quintessence de ce que peut être une compétition cycliste qui va offrir sa première édition chez vous, en Seine-et-Marne, avec des championnes qui sont des championnes d'exception et une directrice emblématique, championne de France de cyclisme sur route, consultante bien sûr sur France Télévisions après l'avoir été pour Eurosport, qui est également dans l'organisation du Tour La Provence, dont elle est directrice adjointe, mais elle est directrice tout court du Tour de France Femmes. Merci Christian, et merci à tous. Je l'ai déjà dit ce matin, mais je pense que c'est vraiment important de tous vous remercier, les journalistes également présents. Vous savez qu'un événement, eh bien, c'est très important ici qu'il soit couvert. Et dans le cyclisme féminin, ça a été quelque chose dont on a vraiment souffert, donc merci d'être avec nous. Merci à tout le monde, au département du Seine-et-Marne, à toutes les communes traversées, parce que le cyclisme, on a besoin, notre terrain de jeu, c'est la route. Et sans votre engouement, sans votre aide, eh bien, on ne serait pas là. Et le Tour de France Femmes, il n'existerait pas, ni les autres courses, que ce soit filles, féminines ou masculines. Donc merci à tous, c'est vraiment très important. Merci également au nom du cyclisme féminin, au nom des petites filles qui seront sur le bord des routes ou devant les télés au mois de juillet et août, pour pouvoir elles aussi peut-être s'imaginer un jour pouvoir participer au Tour de France Femmes avec Zwift. Moi, j'en ai pas eu la chance et je suis vraiment ravie d'être cette directrice de ce Tour de France féminine pour ça, vraiment pour pouvoir montrer que ces jeunes filles vont pouvoir elles aussi rêver un jour. Et évidemment, merci au nom des femmes tout simplement. On se donne donc rendez-vous le lundi 25 juillet ici pour un départ de Meaux, arrivé à Provins. Une étape qui sera longue de 135 km, il y aura une seule difficulté répertoriée. Un premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour justement rassembler le plus de monde possible et qu'on puisse voir les filles le plus longtemps possible. Il y aura également une arrivée en trop plat montant. On attend un sprint massif, mais un sprint véloce. Il y aura peut-être d'ailleurs un premier changement de maillot jaune à l'étape, dès la deuxième étape. C'est une belle étape. Comme l'a dit Christian, c'est vrai que la force du Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça va être la retransmission dans tous les pays du monde. Et de voir le patrimoine, il y a des gens qui regardent la télé et pour le côté sportif, évidemment, mais pas que, juste pour voir la beauté des paysages. Et avec le château de Vaux-le-Vicomte, avec le château de Blandy-les-Tours, ou encore les remparts de Provins, il y aura vraiment du grand spectacle au côté sportif, mais également du beau spectacle pour le patrimoine. Donc merci à tous. Cher Christian, cher Marion, cher Jeff, cher Olivier, chers amis, on est évidemment, comme vous l'avez compris, très 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 heureux de vivre ce moment qu'on attendait avec impatience. J'entendais Marion dire tout à l'heure que c'était un bel hommage aux femmes et qu'on pensait évidemment à toutes les femmes. Je voudrais dire que vous avez des alliés, Marion, et parmi ces alliés, vous avez des hommes, car il y a un certain nombre d'entre nous qui sommes très engagés pour ce combat qui devrait être naturel, de mettre les femmes à leur juste place, c'est-à-dire la défense de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et c'est un sujet sur lequel Jeff peut en témoigner, puisque nous combattons ensemble pour nos valeurs depuis bien longtemps. C'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement engagé. Donc inutile de dire que lorsque j'ai appris qu'on relançait enfin le Tour de France féminin et que Jean-François avec Christian et vous-même avez évoqué l'idée
que ça puisse être en Seine-et-Marne avec un départ à Meaux et une arrivée à Provins pour la première étape hors Paris, c'était mais pour nous vraiment une très très grande joie. Et on s'est dit vraiment que c'était une opportunité absolument formidable de valoriser cette épreuve et de le faire dans le plus beau département en fait du monde, qui est la Seine-et-Marne. Vous choisirez qui vous préférez entre Meaux et Provins. C'est un vieux débat que j'ai avec Olivier, avec Christian Jacob. Moi, j'ai un avis évidemment très documenté, très argumenté. Mais en tout cas, je trouve que le symbole est absolument magnifique. Voilà, donc on est vraiment très heureux de ça. Peut-être un petit focus sur Meaux, puisqu'évidemment, nous travaillons d'arrache-pied depuis que l'annonce officielle a été faite il y a quelques semaines au Palais des Congrès. On était tous très heureux de partager ce moment. D'abord, pour vous dire que pour ce qui concerne Meaux, on a un petit retour d'expérience, un petit grand même, puisque nous avons eu la chance en 2003 d'accueillir la première épreuve hors Paris du centenaire du Tour. Qui était un moment vraiment mémorable, et on l'évoquait en aparté, malheureusement dans le virage de Beauval, les cyclistes, certains sont un peu tombés, en fait, même sérieusement tombés, donc la chute de Meaux est devenue un symbole de ce Tour de France. Donc là, j'espère que personne ne tombera, tout se passera bien, le tracé d'ailleurs est tout à fait différent. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous avons ce retour d'expérience, et donc on va évidemment le mettre au service de ce nouvel événement. L'idée est de démarrer avec un compte à rebours à J-77, évidemment, le 9 mai. Et dès ce moment-là, on va commencer un peu à mettre tout le pays de Meaux un peu sous tension. Hein, il va y avoir une montée d'adrénaline. C'est vrai qu'à partir du 1er mars et jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'au 10 juin, 15 juin, il va y avoir une opération scolaire de grande envergure pour la promotion du vélo, parce que d'abord on a beaucoup de pistes cyclables maintenant à Meaux, et donc c'est devenu une pratique vraiment significative, et on va le faire autour des enfants, des jeunes. Et puis bien sûr il y a ensuite le compte à rebours final à partir du 1er juillet et ce avec une accélération évidemment dans la dernière séquence autour du musée de la Grande Guerre, parce que on a tout de suite pensé que, puisque le départ se faisait au musée de la Grande Guerre, c'était une occasion inespérée de rendre hommage aux femmes pendant la Grande Guerre, et puis aux vélos pendant la Grande Guerre. Alors d'abord les femmes, on en parle nous très très souvent évidemment, les femmes ont joué un rôle absolument considérable pendant la guerre de 14-18, puisque les hommes étaient appelés sur le front, enfin sur les différents fronts, et que pendant ce temps-là, les femmes, elles ont tenu le pays, elles ont tenu les usines, les champs, et puis bien sûr les administrations. Et c'est vrai que ça a été, il y aurait beaucoup à raconter sur cette magnifique histoire des femmes dans la Grande Guerre, magnifique et douloureuse pour de très 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 nombreuses raisons, avouables et certaines inavouables, mais qui ont aussi trait à la nature de ces périodes si troublées, si difficiles. Et ce qui est sûr, et ce qui pour nous aujourd'hui est tout à fait incompréhensible, c'est que lorsque les hommes reviennent du front en 1918, après l'armistice du 11 novembre, eh bien, il y a un grand débat pour savoir est-ce qu'on va enfin donner aux femmes le droit de vote, parce qu'elles ont eu un rôle tellement énorme que la question est posée. Il y a un grand débat à la Chambre des députés qui vote oui, et puis il y a un autre grand débat ensuite au Sénat qui dit non, parce qu'en réalité, pour de très nombreux hommes, c'est insupportable l'idée que les femmes aient pris leur place dans le pays. Et donc, on ne leur donnera pas le droit de vote, et il faudra attendre, vous le savez, 1946 avec le général de Gaulle. Et donc c'est très intéressant de pouvoir mettre en valeur le rôle des femmes dans la Première Guerre mondiale, et on aura une exposition très vivante avec beaucoup d'images autour de ça. Et puis alors, le deuxième rendez-vous, c'est le vélo, parce que le vélo a connu un essor extraordinaire pendant la Première Guerre mondiale. D'abord, il y a eu des bataillons, les premiers bataillons qui se sont déplacés en vélo, on parle des taxis de la Marne, mais il y a aussi des vélos, dans toutes les nations en guerre, hein, d'ailleurs, a été inauguré à ce moment-là. Et puis, c'est vrai aussi que c'est devenu ensuite un moyen de locomotion extrêmement pratiqué, extrêmement courant. Donc, on va, là aussi, marquer le coup en évoquant les vélos de l'époque qui n'ont absolument rien à voir avec le matériel ultra sophistiqué d'aujourd'hui. Mais ce sera un petit clin d'œil, là aussi, au progrès de la technologie. Je pense que Meaux-Provins en vélo à l'époque, avec les vélos de l'époque, ça devait quand même pas être simple.
En tout cas, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous allons nous préparer, avec évidemment beaucoup, beaucoup de surprises tout au long de cette période. Comme le disait Jean-François très justement, l'idée, c'est que ça commence au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, avec des temps forts, mais qu'on va évidemment consacrer toute cette année dans cet événement. Je dois vous dire, petit clin d'œil, qu'on a samedi dernier, donc avant-hier, lancé les festivités de Noël à Meaux, c'était bourré de monde avec les parades, enfin, etc., et que j'étais au micro, et que, évidemment, lorsque j'ai dit à tout le monde que, vu la mobilisation pour Noël, ça, c'était prometteur pour le Tour de France, il y a eu une espèce d'ovation dans la rue du Général Leclerc, au pied de la cathédrale. Tout le monde était absolument déchaîné, et donc je pense que c'est de très bon augure pour cet événement. Voilà, donc merci d'avoir pensé à la Seine-et-Marne, et puis pour nous, une très grande fierté, bien sûr, de donner le coup d'envoi de cette épreuve pour le premier nouveau Tour de France féminin. Chère Christian, cher Marion, Monsieur le Ministre, cher Jean-François, Monsieur le Président, cher Jean-François, Madame la Vice-Présidente, cher Bouchra. 2022, c'est une année importante, importante pour les femmes et importante pour Provins, pour deux raisons. La première, c'est que nous allons célébrer, non pas un bicentenaire, mais le 20e anniversaire de l'inscription de Provins sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et puis, deuxième raison, c'est que nous allons accueillir le Tour de France. Le Tour de France femmes. Et vous le savez, le Tour de France, c'est en fait un élément considérable du patrimoine culturel, émotionnel de la France. On a tendance à dire, et je pense que c'est exact, que c'est un véritable, et c'est peut-être le plus emblématique lieu de mémoire français contemporain. Donc un double événement pour la ville de Provins, 20e anniversaire du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, accueil du Tour de France, et je suis persuadé qu'un jour, le Tour de France sera consacré sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça serait absolument extraordinaire. Je crois que c'est dans les tuyaux. Ça serait bien, ça serait extraordinaire. Et ça aurait un sens fou. Parce que dans le patrimoine immatériel culturel français, ça veut dire, c'est une histoire incomparable. Le 25 juillet, donc, à Provins, après que les coureuses, on dit les coureuses, ont fendu la plaine de Brie depuis Meaux, la Tour César va avoir rendez-vous avec le Tour de France. C'est extraordinaire. Les coureuses, et on a hâte de voir ce moment, vont s'engouffrer dans la ville haute, ça sera la première fois, à quelques encablures de la Tour César, et puis ensuite on aura un final absolument incroyable au pied des remparts, avec des images qu'on attend avec une impatience extraordinaire pour cette arrivée. Après une première boucle, et ça je vous en remercie, parce que cette première boucle, elle va être un moment populaire extraordinaire pour tous les Provinois et pour tous les habitants de la communauté commune du Provinois. Et nous allons, comme à Meaux, évidemment, bâtir, et nous y avons travaillé déjà, un programme qui va démarrer au printemps dans deux directions essentielles. La première, c'est la promotion du sport féminin. Et nous allons notamment, en lien avec le département, travailler sur la promotion du sport dans les collèges et les lycées, en mettant en place, et s'il y a une seule chose à retenir, un système de subvention très très puissant de la ville de Provins à destination des clubs, en prenant en charge une fraction importante de l'adhésion des jeunes femmes collégiennes et lycéennes dans nos associations sportives. C'est un vrai défi pour la pratique du sport féminin, un vrai défi aussi en matière de santé. On le voit aujourd'hui dans nos collèges, il y a un certain nombre de sujets autour de l'obésité notamment, qui est un vrai sujet de santé publique, et on veut absolument mettre le paquet sur la promotion du sport féminin au collège et au lycée. Et un deuxième axe sur lequel on va mettre le paquet également, c'est en lien avec l'établissement public médico-social du Provinois, donc un établissement public qui accueille des enfants
des adolescents handicapés sur le sport adapté pour nos enfants, pour nos élèves handicapés. Et donc, ça sera vraiment le second axe important de ce que la ville de Provins et la communauté de communes vont mettre en place au cours de l'année 2022 en accompagnement de cette fabuleuse aventure que nous allons vivre avec vous d'accueil du Tour de France. Et je terminerai juste par un mot. Vous savez que le tourisme, puisque Christian, tu as évoqué la plus-value du Tour de France, c'est ces images vues du ciel qui permettent de mettre en valeur les paysages français, la beauté de notre pays. Vous savez que le tourisme, historiquement, c'est la vision des paysages depuis les hautes tours. Comme ça qu'est né le tourisme. C'est que les premiers guides ont monté dans les hautes tours, la tour César notamment, et on voyait les paysages au loin, les perspectives magnifiques. Et le Tour de France contribue à la promotion du tourisme en France de manière incroyable. Et l'année prochaine, on aura la chance toujours de voir ces paysages de la plaine de Brie, de la plaine de Champagne, depuis le haut de la tour César. Je vous invite à y monter, parce que vous avez une vue depuis le sommet de la tour César qui est incomparable sur la plaine de Brie. Et en plus, comme on a la chance d'avoir en Seine-et-Marne aucune éolienne, qu'on va se battre pour continuer, notamment avec le département, pour qu'il n'y en ait jamais, on a des paysages remarquables. Et puis on aura l'année prochaine, pendant 2h30, c'est ça, 2h30 d'images en Seine-et-Marne, et notamment à l'arrivée à Provins, avec des images qui seront superbes, et ça sera un formidable vecteur dans une période qui est compliquée pour le tourisme seine-et-marnais. Donc un grand merci pour cette arrivée du Tour de France, une première en Seine-et-Marne le 25 juillet. Rendez-vous à Provins le 25 juillet, je vous remercie. Simplement dire aussi que, en termes de communication, vous allez avoir toutes les communes qui vont être traversées en entrée et en sortie de ville, ce panneau. Christian et Marion me disaient que c'est presque une première. Ça ne s'est jamais fait. Vraiment, pour, encore une fois, cette volonté d'associer le maximum de personnes à cet événement qui est un événement mondial, mais qui, pour nous, c'est les Marnais, on est très fiers, en fait. C'est ça que vous avez ressenti aussi dans cette salle ce matin, c'est qu'on est très très fiers d'accueillir le Tour de France. Il y a un ambassadeur du département de Seine-et-Marne depuis bien longtemps chez ASO qui s'appelle aussi Jean-François Pécheux, qui est l'ancien directeur des compétitions d'ASO, donc avant Thierry Gouvenou, et qui est de Seine-et-Marne et qui régulièrement nous parlait quand il était chez ASO, mais nous en parle encore maintenant, du département. Ensuite, quand nous nous sommes rencontrés, donc d'abord à Provins avec Olivier sur le Tour de l'Avenir, sachant que nous étions évidemment en lien téléphonique avec Jean-François Parigi, il y a une sorte de bon sens. C'est-à-dire que nous aimons toutes les collectivités, mais les départements ont cette spécificité pour nous, organisateurs de courses cyclistes, d'avoir les routes, le terrain d'expression des champions et des championnes. Donc les routes, sans les routes, il n'y a pas de course. C'est une évidence, c'est une palissade. Donc très vite, il y avait une volonté du département, mais qui nous allait aussi très bien, d'être en totalité dans le même département. Pourquoi ? Parce que, justement, la fierté qu'on évoque là, maintenant, elle existe par le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ces prises de vue aériennes qui montrent le territoire, et au ras du sol, les gens, les hommes et les femmes, qui se fédèrent autour d'un projet commun, au-delà même de la compétition. Vous savez, souvent, les collectivités, les élus nous disent « Mais nous, on veut le Tour, non seulement parce qu'on veut la plus grande course du monde, non seulement parce qu'elle montre le patrimoine, mais parce qu'elle fédère. Parce qu'ensuite, nos équipes travaillent mieux ensemble, parce qu'elles ont appris à se connaître. » Et ça, c'est un élément qui a été déterminant et que j'ai ressenti dès que nous nous sommes parlé, dès que nous nous sommes croisés. Donc la volonté d'être en Seine-et-Marne, elle était là tout de suite. Après, c'est ce qui a été dit là, c'est-à-dire que c'est un département, ce sont des villes qui ont des choses à montrer.
Le musée de la Grandière, c'est pas rien. Les 20 ans de Provins, patrimoine mondial de l'humanité, c'est pas rien. Les châteaux de Vaux-le-Vicomte, que je visite régulièrement à titre personnel pour une raison extrêmement simple, c'est beau. La découverte de Blandy-les-Tours, ce sont des choses qui comptent. Et puis aussi, dans ce département-là, sur une étape qui a priori jouera au sprint, il y a des terrains qui sont à découvert sur la fin. Frank Perk, double champion du monde de cyclisme sur piste, le disait tout à l'heure. Si c'est à découvert, Marion, ça veut dire quoi? Dans le jargon du vélo, des bordures. Et donc la possibilité d'avoir un final haletant, peut-être au sprint, mais peut-être pas avec tout le monde. Le vélo, le cyclisme sur route et le Tour de France Femmes s'inscrit évidemment dans la continuité totale et avec le même état d'esprit que le Tour. C'est la mise en valeur des champions et des championnes et de notre patrimoine, de nos paysages et la fierté qui en découle. La fierté que nous avons, nous, et je vous le dis à vous élus, c'est que les gens ont encore plus de fierté aujourd'hui qu'il y a 10 ans à accueillir les épreuves cyclistes, notamment quand elles sont retransmises à la télévision. Parce que nos épreuves ont vocation à venir toujours de temps à autre. Ça ne peut pas être tous les ans. La Seine-et-Marne, l'absence de la Seine-et-Marne sur le Tour, elle est sans doute trop longue, je vous le concède. Mais à venir quand même là où il n'y a plus nécessairement de maternité, d'école, de distributeur, de station-service. Mais les épreuves cyclistes, elles viennent encore et elles permettent aux gens de relever la tête. Et c'est un élément déterminant dans le choix de nos parcours. Bien sûr que d'abord, c'est le sport. Évidemment, c'est la plus grande compétition. Ce sera la plus grande compétition cycliste féminine. Mais la volonté, elle est que les gens au bord des routes soient heureux et qu'ils soient fiers. Ça change tout dans les discussions. En effet, le lancement, il est, Jean-François, d'ores et déjà réussi. On est arrivé en avance. Je dis, mais vous avez demandé aux gens de venir à quelle heure? On a une demi-heure d'avance et il y a 37 communes et il y a déjà au moins 50 personnes. C'était frappant. Et j'ai réellement été, nous avons été, Marion et moi, réellement impressionnés. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là et qui étaient évidentes au premier contact, mais qui sont encore plus fortes aujourd'hui. J'ai fait long, hein, je suis désolé. Hein. C'est combien de signes ou c'est combien de... pendant 50 secondes. Oui, une question sur la diffusion télé. Vous avez combien de diffuseurs à l'étranger de programmés? Alors, on est autour de 170 pays, c'est-à-dire quasiment ce qu'il y a sur le Tour, 190. La volonté, en fait, la date du Tour de France Femmes, elle dépend de ça, c'est-à-dire faire une quatrième semaine de compétition sportive du plus haut niveau et faire que le feuilleton, le succès du Tour de France, évidemment la bagarre des championnes et des champions, mais la mise en valeur des territoires, des régions, des paysages, du patrimoine. Donc la volonté, elle est d'être derrière le Tour, ce sera le cas pour la première année. Nous savons qu'une fois tous les 4 ans, les années de Jeux Olympiques, on devra déménager pour une raison simple, c'est que les championnes seront aux Jeux Olympiques. Alors ça, ce sera à voir avec l'Union Cycliste Internationale, a priori, puisque nous voulons évidemment une date fixe tous les 4 ans, on serait entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques, c'est-à-dire au mois d'août, mais avec ce même principe d'été, l'été, la fête, des gens heureux, des sourires de part et d'autre de la route, et ce sera évidemment le cas, j'en suis certain, sur les 135 km, plus le fictif, hein, 135 km, c'est la distance de la compétition, plus le fictif, donc le défilé qui sera dans Meaux avant qu'on lance véritablement la course, ce sera beau, ça, c'est sûr et certain. Et la plupart des chaînes ont suivi. Le contrat avec France Télévisions existe, le contrat avec l'Union européenne de télé et de radiodiffusion existe aussi. C'était ça qui était évidemment essentiel pour nous, d'avoir non seulement la plus grande course qui serait diffusée en France, mais que les images partent partout, comme pour le Tour. Comme toujours, on va faire un appel à projets pour chaque commune. Elles ont elles-mêmes, entre guillemets, imaginé comment elles peuvent animer leur commune, d'ailleurs, quelle que soit la taille. Et nous, en fonction des projets, eh bien, on accompagnera, soit d'un point de vue financier, hein, ou alors d'un point de vue pratique, en mettant toute la problématique de communication à notre charge. Enfin bon, toutes les aides qu'on peut apporter pour qu'effectivement, ça soit la fête, quel que soit le village qui sera traversé, vraiment. Bah aujourd'hui, si vous voulez, pour le département, en soi, la première dépense, le fait qu'on puisse accueillir le Tour de France en Seine-et-Marne, c'est 100 000 euros. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a toute la communication qu'on met en place. Ensuite, comme je vous l'ai dit, appel à projet, vous l'avez vu, pour les maires, mais aussi pour nos amis agriculteurs, qui eux-mêmes vont avoir des projets. Bon. Donc, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes collègues maires pour les rassurer,
Je suis pas devenu fou. Je suis pas tombé sur la tête. C'est un budget maîtrisé. Et je vais même vous dire, les arbitrages que j'ai faits en arrivant, notamment sur le domaine sportif et certaines manifestations, me fait dire que je vais même faire des économies en bout de course. Et si je rajoute là-dessus l'investissement qu'on va faire et le retour investissement que je vais avoir, nous sommes largement gagnants. Honnêtement, je ne peux pas encore vous le dire. Moi, j'ai en tête mon plafond, mais ça va dépendre, encore une fois, des appels à projets. Car il y a aussi toute l'opération qu'on va faire auprès des jeunes. Ce que, par exemple, Olivier fait sur Provins, je trouve ça génial. Je vais demander au service de voir comment nous pouvons réfléchir aussi au niveau du département pour que le maximum de collégiens en Seine-et-Marne soient aussi, même si on habite à l'ouest du département ou tout au sud, qu'on soit quand même totalement acteur dans l'arrivée du Tour de France en Seine-et-Marne. Donc, il y a des signes que je vais envoyer. Ça, certainement. Hein. Là, je laisserai le soin à mon premier vice-président en charge de l'aménagement du territoire et des routes de faire les choses, en l'occurrence, Olivier Lavancard. Ouais, puisque c'est pour ça encore une fois, c'est aussi dans la continuité du plan vélo qu'on a mis en place au sein du département, et notamment des aides qu'on est en train d'apporter pour toutes les problématiques de pistes cyclables qui se font, quel que soit le territoire en Seine-et-Marne. Là, ce qui est intéressant, et je vous le disais tout à l'heure, on va capitaliser dessus. Et notamment, j'espère que nos clubs cyclistes de Seine-et-Marne vont avoir de nouveaux licenciés. Vous savez, c'est comme quand vous avez la Coupe du Monde de football, ou vous avez l'équipe de basket qui est en finale, vous avez obligatoirement un boom chez les licenciés après. J'ose espérer, entre guillemets, et notamment chez nos jeunes filles, hein, j'ai bien entendu le message de Marion sur ces jeunes filles au bord de la route qui vont rêver, qui demain, peut-être se diront, je vais pouvoir faire le Tour de France féminin. Eh bien, voilà, on va capitaliser là-dessus.
pas. C'est d'abord un vrai bonheur. C'est aussi un défi, ce sera un défi pour les championnes. C'est un défi aussi d'organisation, c'est un défi avec les collectivités. Et je dois dire que je suis très impressionné de ce que je vois ce matin en Seine-et-Marne. Je l'avais déjà senti, mais le fait d'avoir rassemblé à l'initiative du conseil départemental tous les élus des communes traversées, quelque chose de fort, de Meaux et de Provins bien sûr, mais aussi des communes, des petites villes, des villages traversés, c'est fort et on sent une envie et une fierté avec cette étape qui sera donc 100% Seine-et-Marne. Avec évidemment une bagarre sportive, mais aussi avec la mise en valeur d'un département, avec la mise en valeur de notre patrimoine, de notre territoire.